Allô tout le monde, on est encore sur la route et aujourd'hui, on sort golfer dans la merveilleuse ville de Québec. Let's go! On est à la baie de Beauport à Québec, un endroit magnifique. Et aujourd'hui, ma mission, trouver des gens et les faire jouer au golf. J'ai mes bâtons, mon drapeau sorti golfé, j'ai des balles dans mes poches. Maintenant, manque des joueurs. On va trouver ça assurément. Ah, un petit couple là-bas. Ça a l'air d'un petit après-midi cute. Salut, guys. Hello. Je peux pas vous déranger. Moi, c'est Max. Anthony. Salut, Anthony, plaisir. Salut. Salut, plaisir. Petite question, je sais, je ne vais pas vous déranger votre après-midi cute, là, mais avez-vous déjà joué au golf? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, toi? Ça vous tente-tu d'essayer? J'ai un jeu pour vous autres. C'est super simple. Puis je vous ferai jouer avec moi si ça vous tente. OK. Cool. On fait un deal même mieux que ça. Je vous paye la bière. Puis après ça, on s'en va jouer au jeu. Encore mieux. OK, good. Ça va être le fun. Yes. J'ai trouvé deux mondes. C'était facile, finalement. Allô? Hi. Ça va? Oui, merci. Yes. Je vais prendre deux bières pour mes amis ici. Puis je vais prendre des verres vides aussi, s'il te plaît, parce que j'ai un jeu pour eux autres. Allez voir, ça va être vraiment cool. Merci beaucoup. L'accessoire pour le jeu dont je vous parlais, c'est possible de jouer au golf à la plage. Anthony Delahi, c'est super simple. Ça s'appelle le golf pong à la manière du beer pong, un jeu que vous connaissez, j'imagine. J'ai des bâtons, les balles sont là-bas. Le but, c'est d'essayer de la distance que vous voulez. Vous choisirez, c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. C'est de mettre les balles dans les verres qui sont là. C'est bon? Oui, c'est bon. Je souhaite la meilleure des chances. On va voir si vous êtes capable de jouer ensemble au golf pong. Presque quand même. Ah! C'est bon, ça? Ah! Ah! Good job! Good job! Et puis, il est rentré pas à peu près. En plus, il a cassé le verre. Il est rentré pas à peu près. À toi! Ah! Oh, oui, ça compte. Oh, je te le donne. Oh, non. C'est moi le juge. Je te le donne. Good job. Vous avez eu du fun? Ouais. C'est plus dur qu'on pense. Lequel des deux est le plus compétitif? Moi. Ouais. Ça n'a pas été long qu'elle a répondu. J'ai goût que la compétition se poursuive. Ça vous tente-tu? Ouais. Je vais vous amener dans un des plus beaux endroits de la ville de Québec. Là, on est juste sur une courte distance. On va aller jouer sur une longue distance, mais on va jouer rapidement. Je vous amène jouer au speed golf. Ça vous tente? Yes. OK, let's go. On va aller faire ça. Tony Delahi, bienvenue au club de golf La Tempête de Brickville. On est reçu par Fred Raymond et toute la belle gang ici. Fait qu'on va jouer sur un trou de speed golf. Je vais vous équiper. Tournez comme ça. Delahi, ça va être de faire droit ici, comme ça. Ça se peut que tu aies besoin de ça aussi. Puis, ah oui, le drapeau. Faut pas oublier le drapeau. Le drapeau sortait golf. Je vous montre ça. Là, je vous propose de combiner une affaire que j'adore puis une affaire que j'haïs. Et jouer au golf puis courir. Vous déciderez laquelle est laquelle. Je veux qu'on joue au speed golf. On est trois, on a chacun nos outils. Le but, c'est de compléter le trou le plus rapidement possible. Comment ça fonctionne? Je me propose pour frapper le coup de départ. Après ça, on part à courir. Courez-vous vite quand même? Quand même. Quand même. On part à courir et après ça, Tony, tu frappes le deuxième coup. Delahi, tu vas frapper le troisième coup et on se rend jusqu'au vert le plus rapidement possible et on arrête le chrono quand la balle est dans le trou. OK. C'est bon? Ouais. All right, good job, guys, on est capable. Let's go. Merci. Let's go. OK, go. Oh, le putter, j'ai oublié le putter. Le putter, je vais jouer. Elle est quand même solide, d'après moi, elle est en plein milieu. Tony, tu frappes le deuxième coup. Go, Delahi. All right.
Good job. Good job, guys. Ah! Hein? Hey, puis, pas trop demandant. Pas super. Viens, viens là. Hey, elle est super en forme. Je propose une autre activité, le speed bière. Let's go. Yeah. Je vais prendre ça. Ah! Pas pire le décor, hein, ici? Ah bon. Écoute, c'est incroyable. Magnifique. Moi, c'est pas mal une des affaires que je préfère de l'après-golf. Je veux vos impressions sur la journée. Comment vous avez trouvé ça? Vous avez eu du fun? Bien, pour moi, on a eu vraiment du fun. Ouais, c'était plaisant. Puis comment vous vous sentiez sur le terrain? C'était cool? Mais sérieusement, c'était tellement beau. Le terrain est magnifique. Le terrain est épouvantable. La lumière, tout est fun. Ouais. Puis il y avait des canards sur le lac. C'était cool. C'est en nature, mais t'es pas loin de la ville. C'était quoi votre image du golf en général, t'sais, avant qu'on fasse une journée comme celle d'aujourd'hui, mettons? Réaliser que c'était plus accessible ouais. que je pensais. Tu pensais que c'était moins accessible? Je le pensais moins accessible que ça, mettons. Avec un beau terrain comme ça, puis qui est ouvert au public quand même. Oui, ouvert au public, qui veulent justement avoir des golfeurs, puis ouais. qui veulent voir les gens venir l'essayer. Colin, merci beaucoup, super gentil. Ouais. Même en marchant, puis on se promène, il y a plus de jeunes que ce que je pensais qu'il y avait aussi. C'est un peu ça que je voulais faire avec l'équipe aujourd'hui, puis avec le tournage aujourd'hui, puis on voulait vous faire vivre le golf. D'une autre façon. Puis le meilleur dans le golf, moi ce que j'aime le plus, c'est que ça se termine souvent comme ça, avec un décor magnifique, avec des consommations, puis un peu de bouffe. Tony Dallahi, merci d'avoir pris du temps aujourd'hui. Chin, à notre journée, on va manger ça. Merci à toi. Puis j'espère vous revoir sur un terrain de golf bientôt. Ça, c'est Salut. Ça.